présent, tu es présent, on y va. Jésus, tu es présent. Jésus, Jésus, omnipotent. Jésus, 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 omnipotent, tu es présent, tu agis en ton nom, Jésus, tu es puissant, Jésus, 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 omnipotent, tu es présent, tu guéris les malades, Jésus, tu es puissant, Jésus, 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 je déclare, Jésus, oh, tu es puissant, omnipotent. Tu es présent, tu agis en ton nom, tu agis en ton nom, Jésus, tu es puissant, Jésus, 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 oh, héros de ma vie, tu es présent, tu agis en ton nom, tu agis en ton nom. Jésus, tu es puissant une dernière fois. Jésus, 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 tu es puissant, omnipotent, tu es présent. Tu brises toutes les chaînes, tu brises toutes les chaînes. Jésus, tu es puissant. Jésus, 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 tu es puissant, omnipotent, omnipotent, tu es présent, tu brises toutes chaînes, tu brises toutes chaînes, Jésus, tu es puissant. Jésus, omnipotent, omniscient, tu es présent dans ma vie, oh, dans la boîte de ma vie, tu brises toutes choses. Oh, tu es puissant, El Shaddai est ton nom, tout puissant est ton nom, redoutable est ton nom. Oh, héros qui m'a sauvé, omnipotent, tu es présent, tu guéris les malades, tu guéris les malades. Oh, I believe, oh, je sais, je le crois, que tu es puissant. Omniscient, omniprésent, tu brises toute chaîne. Oh, Jésus, 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 tu es puissant, omnipotent. Tu es présent dans la barque de ma vie. Oh, je veux te dire merci. Je veux apprécier ta présence dans ma vie. Oh, comme ça a été dit cette semaine, beaucoup sont partis. Toi, tu es resté avec moi. L'espérance de gloire est restée dans ma vie. Je suis reconnaissant.
Tant que tu es là, je vais accomplir le but. Tant que tu es là, je vais accomplir la destinée. Tant que tu es là, je ne mourrai pas assassiné. Quand j'aurai fini, je partirai. Je n'aurai pas été assassiné par le diable. Non. Oh, tu brises toute chaîne. Tu détruis les joues. Tu ôtes les fardeaux. Amour de ma vie, rocher de mon cœur, tu guéris les malades, tu guéris les malades, tu fais tout à merveille, oh, tu es puissant. Oh, dis-lui, tu fais tout à merveille. Tu fais tout à merveille. Aïe, 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 aïe. Tu fais tout à merveille, pas à moitié. Non, non, non. Tu ne commences pas pour ne pas finir. Non, on t'appelle Alpha Omega. Quand tu as commencé avec moi, c'est pas pour me laisser tomber en cours de route. Quand tu as commencé, c'est pour boucler la boucle. C'est pour finir. Ah, je suis reconnaissant. Ma vie est portée par une main invisible. Je suis un intouchable. Il fait tout à merveille. Et ne t'inquiète pas, là où tu es, mon frère, il n'a pas fini encore. Il a commencé le chantier. Il attaque les fondations. Il met le fondement. Il érige l'édifice. Et il a la certitude parce qu'il est l'architecte. Il est le bâtisseur, le fondement. L'édifice brillera. La lumière brillera. Le Christ sera formé. Sa gloire sera visible. Tu ne seras pas dans la confusion. Est-ce que tu entends mon âme? Espère en lui. Tes semences parleront, ton obéissance parlera, le prix que tu payes parlera, ta persévérance payera. Laisse-moi proclamer ta puissance. Je ne suis pas en train de chanter, je suis en train de proclamer, je suis en train de prêter allégeance, je suis en train de lui dire ma foi, d'exprimer ma foi. Oh, il y a des voix qui me disent de maudire Dieu et de mourir. Il y a des voix qui me disent de douter de toi. Il y a des voix qui me disent que tu ne feras pas. Il y a des voix qui me disent que tu ne agiras pas. Mais je veux crier dans l'assemblée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de crier? Tu veux? Omnipotent, tu es présent, mon espérance de gloire est là, il est dans la barque, le plus fort habite en moi. Oh non, je ne suis pas désavantagé, je ne suis pas démuni, je ne suis pas faible, je ne suis pas désemparé, je ne suis pas désespéré, car omnipotent, tu fais tout à merveille. Jésus, matata, ekataparatia, esakataba, oh malhe, oh paramacha. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de crier Jésus? Oh, dis-le plus fort. Oh, tu n'es pas en train de chanter. Dis-lui, il faut que les forteresses entendent. Il faut que les voix de mensonges et de doute entendent. Tu es omnipotent, tu fais tout à merveille. Ils ont dit, on a envoyé les huissiers. On a envoyé les huissiers arrêter Jésus. Ils sont partis l'arrêter. Ils sont partis l'arrêter. Après, ils sont revenus voir ceux qui les avaient envoyés. Et on leur a demandé, mais quoi, vous n'avez pas arrêté? Comment ça se fait? Et les huissiers, d'un même cœur, ils ont dit non. Jamais homme n'a parlé comme il a parlé. Jamais personne ne m'a aimé comme elle m'a aimé. Jamais personne n'a fait ce qu'il a fait. Jamais personne n'a eu compassion comme il a eu compassion. Jamais personne n'a cru en moi comme il a cru en moi. Voilà pourquoi dans l'assemblée, je refuse de me taire. Je refuse d'économiser ma voix. Et je crierai.
Présent dans ma vie. Tu fais toute ta merveille. Jésus, tu es puissant. Ramasse tes hauts. Je pensais que quelqu'un allait acclamer tout seul. Je pensais que quelqu'un allait faire du bruit tout seul. Est-ce qu'on sent de ma voix connectée dans les églises connectées d'Île-de-France, de France, d'Europe, d'Afrique, partout dans le monde, à l'île Maurice, à La Réunion? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour dire amen comme le tonnerre? Il fait tout à merveille. Oh, laisse-moi acclamer le Dieu qui fait tout à merveille. Laisse-moi acclamer le Dieu fidèle. Laisse-moi acclamer mon espérance de gloire. Laisse-moi acclamer le héros qui sauve. Laisse-moi acclamer l'architecte de ma vie. Laisse-moi acclamer le fondement de ma vie. Laisse-moi acclamer mon rocher, mon bouclier. Laisse-moi acclamer mon ombre à ma main droite. Laisse-moi acclamer mon souverain sacrificateur. Laisse-moi acclamer mon avocat auprès du Père. Laisse-moi acclamer la main du Seigneur. Laisse-moi acclamer mon pourvoyeur. Oh, je ne sais pas s'il a pourvu pour toi. Je pense que s'il avait pourvu pour toi, tu allais l'acclamer mieux que ça. Oh Seigneur, laisse-moi t'acclamer. Il y a quelqu'un qui est trop conscient de son mascara, de son maquillage, de sa tenue. Mais je sais qu'ici, il y a au moins 120 témoins à ma père qui ne peuvent pas se retenir. Qui savent qu'un jour de plus n'est pas un acquis, non. Ce n'est pas un droit légitime, oh non, 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 non. C'est l'expression de ta grâce et de tes compassions. C'est l'expression de ta miséricorde et de ta fidélité. Oh! Et Kamara machete que tu paras. Amen, 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 amen. En présentiel, fais du bruit à la cité, fais du bruit à la cité. Oh, tu n'as pas crié comme moi, tu n'as pas crié comme moi pendant la semaine. Tu as encore du stock, tu as encore des batteries, tu as encore des réserves. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie d'adresser à Dieu ses réserves? Ses réserves de gratitude. Oh, oh, et katamara katopele matayamaroa. Excusez-moi, je ne peux pas me contenir pour lui. Il est mon héros, il m'a racheté. Il est le propriétaire du souffle de mon existence. Ah, laisse-moi faire du bruit pour lui. Pendant que je suis sur la terre, je lui appartiens. Ah, ah, ah. Oh God, we thank you, we thank you. Fais monter, fais monter. Fais monter pour lui, fais monter des pouces, des clameurs, des clameurs, des clameurs. Oh yes, God. Yes, Lord. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu es présent au milieu de nous, en nous, avec nous, sur nous par ton esprit. Construis-nous ce matin. Guéris nos cœurs. Envoie ta parole et guéris les cœurs malades. Les cœurs brisés, guéris les corps malades, transforme nos systèmes de pensée, renouvelle notre intelligence, délivre-nous de l'ignorance, ouvre nos yeux et délivre-nous par la connaissance de la vérité, la conscience de la vérité. Merci pour qui tu es.
Merci pour ce que tu fais. Merci pour tes patiences et ta patience et tes compassions envers nous. Merci Seigneur. Oh, tu fais tout ta merveille. Tu l'as fait hier. Et la bonne nouvelle, c'est que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le merveilleux est ta signature. Le glorieux est ta signature. Et nous voulons te dire, nous croyons qu'on verra la manifestation de ta signature sur ces vases de terre. À la seule gloire et louange de ton nom. Au nom de Jésus, Père, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen, 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 amen. Si Dieu est en train de te faire du bien, donne-lui meilleure clameur que ça. Donne-lui meilleure clameur que ça. Aratakata, emarata de kamarosa, emale de tovara. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Holy Ghost. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Avant de vous asseoir, je voudrais juste bénir Dieu pour la présence d'un frère que nous aimons beaucoup, Joël Gerbord, qui est au milieu de nous ce matin, le pasteur Joël Gerbord. Si tu as entendu parler des éditions multilingues au Canada, c'est lui. Les éditions multilingues, c'est lui. La Bible pour les femmes, c'est lui. Quoi encore? Bon, il y a tellement de produits que tu as sortis. Voilà. Mais ce n'est pas que ça. Hein? Voilà. Il ne fait pas que ça, mais entre autres, il fait ça. Mais il va beaucoup plus loin que ça. Voilà. Donc, on est content d'avoir avec nous ce matin au culte. Amen. Alors, venez vous asseoir dans sa présence. Merci. Bon, si tu es là, tu dis waouh. Ah, nous sommes tellement reconnaissants. Tu vois la puissance de la parole. Hein? Dieu construit par la parole. Dieu guérit par la parole. Dieu relève par la parole. Dieu sauve par la parole. Dieu transforme par la parole. Là où il n'y a pas de parole, il n'y a rien du tout. Voilà pourquoi d'ailleurs, quand la parole n'était pas là, Dieu ne faisait rien. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était en forme et vide. Puis Dieu dit, c'est dès que Dieu a dit que la terre a commencé à changer. Tant qu'il n'a pas dit, il n'y a rien qui se passe. Voilà pourquoi tu as besoin de la parole. Tu as besoin de valoriser la parole. Et moi, je bénis Dieu pour la parole. En une semaine, là, moi-même, j'ai été trop challengé. J'ai été édifié. J'écoute des paroles, j'ai dit, Seigneur, même s'il ne reçoit pas, moi, je reçois. Hein? Dieu a dit que des systèmes seront ébranlés. Pas à travers toi, à travers moi. Ah non, chacun reçoit pour lui. C'est-à-dire des nations vont venir à la lumière. Il m'a dit que Mardoché, c'était une ombre des choses à venir. Élie, c'était une ombre des choses à venir. Esther, c'était une ombre des choses à venir. Joseph, c'était une ombre des choses à venir. Ne sois pas impressionné par eux. C'était juste une ombre. Dieu envoie toujours l'ombre avant d'envoyer la lumière véritable. Mais ça va toujours se manifester dans la vie de celui qui croit. Dieu ne peut rien faire dans la vie de quelqu'un qui ne croit pas. Tu dois recevoir. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir. Il y a un pouvoir de devenir dans ce que tu crois. À celui qui, à ceux qui croient, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru, la parole, Jean 1, verset 12 à 13, la parole a donné le pouvoir de devenir. Il y a un pouvoir dans la foi. Hein? Donc, même si quelqu'un ne croit pas, dès que moi je crois, bon, en vérité, je le vois déjà. Mais toi aussi, tu vas le voir. Et on sera une armée inarrêtable. Tu n'es pas aussi enthousiaste à propos de ton futur que moi. On dirait que toi-même, tu ne crois pas en toi, je ne sais pas. Tu ne crois pas, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit? Est-ce que sur la mezzanine, vous croyez là-bas? Parce que ici, là, vraiment. Venez me soutenir en bas, là, venez en bas. En bas, ils sont trop politiciens. Ils sont trop polis, polissés. Miséricorde. Alors, à partir de là, d'aujourd'hui, là, je vais amorcer un. Mais en vérité, c'est la même chose. En vérité, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Tous les messages sont les mêmes. L'évangile est un. Et tous les messages ne mènent pas à Rome. Mais si on enseigne la vérité, on va toujours arriver à la même vérité. On va toujours arriver à la même finalité. Et cette finalité-là, c'est ce dont je veux te parler. Quel que soit le message qu'on prêche, s'il vient de Dieu, ils vont tous converger vers une seule finalité. Tu sais, c'est quoi cette finalité? Christ.
Toujours. Toujours. Et je vais te le prouver encore. C'est simplement que je vais prendre des santé différents. Et donc, je vais te fatiguer. Encore Christ? Oui. Parce que c'est lui le secret de Dieu. C'est la finalité. C'est Christ. Il n'y a rien d'autre. C'est Christ. Ce n'est pas le mariage. C'est Christ. Ce n'est pas l'argent. C'est Christ. Christ est riche. Christ est saint. Christ est bon. Christ est tout. À partir d'aujourd'hui, je ne suis plus pasteur. Je suis Christ. J'ai découvert que quand tu dis de quelqu'un ce qu'il est, tu le définis par sa fonction, tu viens de le limiter. Ne laisse personne te dire, ah, je suis ingénieur, mon frère, dès qu'on a mis un point, c'est fini, on a conjugué ta vie. Mets la virgule. Parce qu'en vérité, tu n'es pas que Joël ici. Moi, je ne suis pas que pasteur. Je suis pasteur, je suis formateur, je suis auteur, je suis passionné adorateur, je suis entrepreneur, je suis tout en même temps. Mais comme la liste ne s'arrêtera pas, donc je vais la résumer en un mot. Christ. Oh, mais je n'aime pas ton amen, je n'aime pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut m'aider? Oh Seigneur. Oh, aïe, aïe. Je vais t'amener à l'aimer. Tu vas être passionné de lui. Hein? Tu ne le connais pas. Tu entends parler de lui. Je te dis, il y a une dimension de lui que... Oh Seigneur, garde-moi. Donc, et il m'a dit que ça sera la thématique de l'année prochaine. Donc, le titre de mon message, en vérité, vous savez que Dieu ne respecte jamais les années calendaires. Hein. Dieu ne commence pas une saison nouvelle au 1er janvier. Donc, je t'annonce que ton 1er janvier, c'est aujourd'hui. Comme ça, le premier, tu vas pas me demander, pasteur, c'est quoi le thème de l'année? Le thème de l'année, c'est aujourd'hui. C'est quoi le thème de l'année? Manifeste ta dimension divine. Mais je ne comprends pas où est ton enthousiasme. Mais tu n'as pas crié comme moi pendant les 7 jours-là, mon frère, ma soeur. Tu n'as pas crié comme moi. Ah, dis avec moi, je manifeste ma dimension divine. Ah, acclame Jésus pour toi-même. Acclame Dieu pour toi-même. Maintenant, pour manifester cette dimension divine, tu vas comprendre qu'en fait, cette dimension divine, c'est Christ. Donc, je vais te parler du mystère de Christ. On entend parler tous les jours. Je parlais avec mon pasteur, un de mes pasteurs. Mais tu sais, quand on parle de Christ, la plupart des gens, ils entendent, ils répètent. Mais ça reste toujours un mystère. Donc, même quand je vais en parler, je pense que ça va toujours continuer d'être un mystère. Mais on va grandir en révélation. Parce qu'il faut que tu comprennes le mystère. Moi-même, quand je parle comme ça, en vérité, tu sais, la révélation, c'est comme l'oignon. Non, tu vois, quand tu as atteint une couche, il y a encore une autre couche derrière, une autre couche derrière. Christ. Quel que soit, si le message est de Dieu, il va converger vers Christ. Alors, on va faire un peu de lecture aujourd'hui. Dis amen. On va aller à Éphésiens 3, versets 2 à 5. On va lire avec la version parole vivante. On va lire un tout petit peu aujourd'hui. Alors Paul dit, vous avez certainement entendu parler de la mission que Dieu, dans sa grâce, m'a confiée pour vous. Ce qui était resté caché, il me l'a dévoilé par des révélations spéciales. Il m'a permis de comprendre son plan secret. Ah là, maintenant, fais attention. Dieu avait un plan secret. Je viens de vous le résumer en quelques mots. Cela vous permettra de vous faire une idée de ma compréhension du mystère de Christ. Sachant que le mot mystère, ça signifie un secret caché. Si tu es là, tu dis amen. Verset 5. Ce secret, Dieu l'a tenu caché aux hommes des générations passées. Les Abraham jusqu'à Jean-Baptiste, même jusqu'à la croix, n'avaient pas compris ce secret. Ce secret, Dieu l'a dévoilé maintenant par le Saint-Esprit aux apôtres, ses porte-paroles, aux apôtres et prophètes, dit d'autres versions, qu'il a mis à part. Dit amen. Il y a quelqu'un, Dieu a un secret.
qu'il avait caché dans les générations précédentes. Oh, bien-aimé, ce message-là. Dis amen, on avance. On était à Éphésiens, maintenant on va à Colossiens, chapitre 1, verset 25. On va normalement lire jusqu'au verset 29, mais on va d'abord commencer par 27, verset 25 à 27, et on lit avec la version seconde 21. Maintenant, il dit, c'est d'elle, en parlant de l'Église, que je suis devenu le serviteur, conformément à la charge que Dieu m'a confiée pour vous. Quelle est cette charge? Deux points. Annoncer pleinement la parole de Dieu. Deux points. Le mystère caché de tout temps et à toutes les générations, mais révélé maintenant à ses saints, à ses élus, à ses rachetés. En effet, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens ou encore les non-juifs, c'est-à-dire ce mystère, c'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Aïe, 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 aïe. Mais tu remarqueras déjà, il dit au verset 25, la charge que Dieu m'a confiée pour vous, deux points, annoncer pleinement la parole de Dieu, virgule plutôt, annoncer pleinement la parole de Dieu, le mystère caché. C'est-à-dire que quand on annonce pleinement la parole de Dieu, ça va nous amener au mystère caché de Dieu. Et il t'explique que si on annonce pleinement, pas partiellement, si on emmène pleinement la parole, dans sa globalité, on va arriver à une finalité qui sera le mystère caché en tout temps. Et ce mystère révélé maintenant au sein, c'est quoi? C'est Christ. Dis amen. Maintenant, je te prends avec la version, il y a une version qui s'appelle la Bible expliquée. Donc je te prends le verset 27 seulement, je te le lis avec la Bible expliquée. La version Bible expliquée dit, car Dieu a voulu faire connaître aux païens, donc, a voulu leur faire connaître, les non-juifs, hein, Dieu a voulu leur faire connaître ce plan secret, si riche et si magnifique, élaboré en faveur de tous les peuples. Et voici ce secret. Le Christ est en vous et il vous donne l'assurance que vous aurez part à la gloire de Dieu. Tu comprends toujours pas. C'est pour ça que tu n'es pas enthousiasmé. C'est pas grave, on va aller en profondeur, calmement, sereinement. Oh, tu vas être passionné de Christ. Tu vas désirer Christ comme jamais auparavant. Oh, quelqu'un dit amen. Maintenant, je prends le verset 27. Maintenant, je vous l'emmène avec la version parole vivante. Toujours le verset 27. Parole vivante. Il est en train de parler des païens. Il est en train de parler des non-juifs. Il dit amen. Il dit, c'est à eux qu'il a voulu faire connaître quelle richesse, quelle splendeur renferme son plan secret en faveur des non-juifs. Ce secret, c'est tout simplement le Christ en vous. C'est en lui que se concentre toute la gloire future. Où ça? En Christ. Ah, je te laisse acclamer. Quelqu'un dit amen. Maintenant, on va dans Colossiens 2, versets 2 à 3. Paul dit, je désire que leur cœur soit rempli de courage. Il prie pour les chrétiens de Colosse. Qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis de toute la certitude que donne une vraie intelligence. Enrichis de toute la certitude que donne une vraie intelligence. Maintenant, cette vraie intelligence, quand elle t'est accordée, maintenant regarde la suite. Ils pourront connaître ainsi, quand ils sont dotés d'une vraie intelligence, ils pourront connaître ainsi le secret de Dieu, c'est-à-dire le Christ lui-même. En lui, en Christ, se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance divine. Ah, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux nous dire? Je veux te parler du mystère de Christ. Parce que mon pasteur m'a demandé hier, mon pasteur, alors, comment tu résumes Christ?
En gros, j'ai dit, il n'y a pas une définition. Il n'y a pas une ligne. Il y a plusieurs lignes. Je vais t'en partager quelques-unes ce matin. Et puis on va couler la semaine prochaine. On va voir là où Dieu nous conduit. Ah, mais Christ, Christ. Ah bon, est-ce que moi tu as compris que tous les chemins, si on a une vraie intelligence, on va avoir la révélation de Christ. Tous les chemins, si on enseigne pleinement la parole de Dieu, ça va nous mener vers le Christ. Amen. Donc de ce texte, qu'est-ce qu'on lit? On comprend déjà que Christ, c'est un mystère. Christ, c'est le plan caché de Dieu qui n'a pas été révélé aux générations précédentes. Il a fallu la Pentecôte et l'arrivée du Saint-Esprit en l'homme, dans les apôtres et les prophètes, pour commencer à ouvrir leurs yeux sur le mystère caché de Dieu. Ça veut dire que Dieu avait un secret. Les anges ne le connaissaient pas. Les hommes ne le connaissaient pas. Un secret gardé par le conseil de la Trinité seule. Voilà pourquoi la Bible dit que les anges eux-mêmes désirent plonger leur regard dans le mystère de l'évangile. Ils ne comprennent pas. Pourquoi? Tu as dit non, ce n'est pas pour vous. C'est uniquement un secret. Il sera révélé. Donc les anges, pendant que Dieu déroule le plan, les anges disent, voilà, qu'est-ce que Dieu va faire encore? Qu'est-ce que Dieu va faire? Et puis ils déroulent le plan. Et ça a commencé après la rédemption, à la Pentecôte. Aïe, 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 aïe. Oh, si tu es là, tu dis, mais je sais que tu ne comprends pas encore. Mais pourtant, tu comprends, mais tu ne comprends pas. Tu crois connaître, mais tu ne connais pas. Donc, Christ. Donc, premier point, Christ, c'est le mystère caché de Dieu. C'est le plan, le secret gardé de Dieu. Mais maintenant, il est révélé. Il a gardé pendant longtemps. Et les gens de l'Ancien Testament ne l'ont pas compris. En fait, il m'a dit, je suis en train de vous préparer. Quand je vais vous expliquer le livre, je n'ai pas imprimé, je n'ai pas fini de corriger, mais je viens de finir le livre sur le mariage. Il est trop deep. Et tu vas comprendre pourquoi, tu vas comprendre le lien après. Il m'a dit, après ça là, quand je vais te parler maintenant du mariage, tu vas être scandalisé. Hier, je parlais à mon pasteur. Il disait, non, dis non, c'est trop fort. Il n'est plus sommeil. Et puis même pendant que je parlais, j'étais en train de prendre feu. On était au téléphone jusqu'à 2h du matin. 2h du matin, j'étais au téléphone. Et quand je lui parlais du mystère, moi, quand je parle de ça, j'ai le feu qui vient sur moi. Ah, Madagascar, je dis, c'est trop fort, c'est trop beau, c'est trop glorieux. Le mariage. Paul dit, ce mystère est grand. Je le dis par rapport à Christ et l'Église, pas par rapport à l'homme et la femme. L'homme et la femme, c'est rien. Laisse ça, le mariage, c'est pas pour les rapports sexuels, c'est pas pour fonder une famille. C'est pas pour avoir des enfants. C'est beaucoup plus raide que ça. Aïe, aïe, aïe. Donc alors c'est quoi Christ, c'est quoi? Alors deuxièmement, premièrement Christ c'était le mystère caché. Deuxièmement, Christ c'est la description employée pour décrire la personne de Dieu lorsqu'il décide de quitter l'invisibilité pour devenir visible. Je sens que je t'ai pas perdu, t'inquiète pas. Même si tu es perdu, on va te rattraper à la cuillère, on va t'attraper, ça va aller. Lorsque Dieu décide d'arrêter d'être invisible et qu'il décide de devenir visible, cette dimension de Dieu s'appelle Christ. Lorsqu'il décide d'apparaître à travers un être humain. Colossiens, autrement dit, je vais le redire différemment. Lorsque Dieu décide de devenir visible en chair et en os dans un être humain, cette dimension de Dieu-là, c'est ça qu'on appelle Christ. Colossiens 1, verset 15. Le Fils est l'image, est la représentation, est le portrait, est le profil, est la statue du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Le mot Christ est une description. Christ, ce n'est pas le nom de famille, on le dit toujours, mais on le redit. Ce n'est pas le nom et le prénom de Jésus. Christ, c'est la description de Jésus. Christ, c'est la fonction de Jésus. Jésus, c'est le nom du récipient du corps. Christ, c'est le nom du résident. Celui qui habitait en lui. C'est pour ça que littéralement, quand on dit Jésus-Christ, en vérité, c'est Jésus le Christ. On va aller doucement. Si tu suis moi, tu dis Amen. Le mot Christ, cette description apparaît dans la Bible pour la première fois
lorsque le Dieu qui a créé les cieux et la terre s'incarne dans un corps humain qui reçoit le nom de Jésus. C'est là maintenant que Luc chapitre 2 au verset 11 dit, c'est aujourd'hui dans la vie de David, il vous en est un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. La première fois que la mention Christ apparaît, c'est lorsque Dieu qui a créé, invisible, hein, qui a créé les cieux et la terre, apparaît dans un être humain. C'est là maintenant qu'on dit, c'est le Christ. En fait, je suis amusé parce que je sais que tu sais, mais tu ne sais pas. Donc, tu vas finir par savoir et avoir la conscience. Parce que le Christ, c'est une question de conscience, pas une question d'information. Ce n'est pas l'information qui le transforme, c'est la révélation. Hein? Quand tu auras la révélation qu'il faut, quand tu auras la révélation, oh là là. Le défi pour nous, c'est de nous laver le cerveau qui est endommagé. Pour nous amener à la révélation de la vérité. Donc, je ne suis pas arrogant. Hein? Si tu te demandes qui tu es, qui es-tu, aux démons de l'enfer. Les démons n'ont jamais dit à Jésus, nous savons qui tu es Jésus. Il m'a jamais dit ça. Il ne disait pas, nous savons qui tu es Jésus. Non! Ils ont dit, nous savons qui tu es. Tu es venu pour nous tourmenter avant le temps. Tu es venu pour nous fatiguer. Hein? On sait qui tu es. On sait qui tu es. Tu es le Christ. Ils n'ont pas dit, tu es Jésus. Les démons ne t'identifient pas par rapport à ton corps physique. Les démons identifient le résident. D'esprit à esprit, on reconnaît les résidents, pas les récipients. Voilà pourquoi les démons disent, Jésus en connaît, Paul en connaît. Vous, toi tu es qui? Pourquoi? Jésus en connaît, il a manifesté. Il était la première incarnation, manifestation de Christ sur terre. Mais quand il est parti, Christ est resté. En vérité, quand il est parti, il a envoyé le Saint-Esprit qui était en lui, pour que le Saint-Esprit qui était en lui, alors qu'il était le premier né, le Fils unique de Dieu, quand il est parti, il a envoyé l'Esprit pour qu'il ne soit plus le Fils unique de Dieu, mais pour qu'il soit le premier né. On l'appelle le prototokos, le prototype, le premier sur la ligne. Celui qui commence une nouvelle espèce, une nouvelle race, il est maintenant le premier né dans plusieurs frères et sœurs. Aïe, aïe, aïe. Ils ont dit, Jésus on connaît, Paul on connaît. Le point commun entre Paul et Jésus, c'est que Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, je suis mort à moi-même. J'ai été crucifié avec Christ. Désormais, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et quand les démons ont dit ça, ils ont reconnu que cet homme-là n'était pas Paul. Son corps s'appelait Paul, mais le résident, ils ont dit ça, c'est le Christ. Oh, l'étokapara. Aïe, 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 aïe. Je t'annonce, quand tu vas arriver à la dimension, pas où Christ est à l'intérieur de toi. Non, il ne s'agit pas d'être moi. Quand on parle de manifester ta dimension divine, on ne parle pas d'acquérir. On parle de faire sortir ce qui est caché. Quand tu vas le faire sortir, je te promets une chose. Il y a des portes fermées qui vont s'ouvrir. Comme je te l'ai dit, elles vont dire identification faciale. On a entendu prier, on a entendu parler, mais il faut en même temps la voix et la face. Quand il faut voir identification faciale, scanning de la personne, qui est le résident. Il y en a chez qui on entend la voix de Jésus, on entend la voix de Christ, mais quand on voit le visage, on voit la sirène des eaux, on voit l'esprit de mensonge, on voit l'esprit de débauche, on voit l'esprit d'impureté, on voit l'esprit de manipulation, on voit l'esprit de fausseté, on voit l'esprit de colère. Alors, identification faciale, ça ne marche pas. Refusé. Mais tu rentres dans la dimension où qu'on va faire identification faciale. Qui voit-on à l'intérieur? Matate kapara. On va dire, aïe, 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 aïe. Oh, 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 c'est le Christ. Ça. Oh, pardon, je ne comprends pas. Est-ce que là-bas, au moins, est-ce que sur la mezzanine, ils me comprennent? Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un? Identification faciale. Il y a une dimension d'identification. Je n'ose pas en parler. Ou quand ton nom, je te l'ai dit, quand ton nom est mentionné, les démons disent non, non, pas lui. Les démons disent pas lui. C'est pas que de Jésus.
Il priait. On m'a dit, il priait au Canada. Au Canada. Je suis à Paris. Au Canada. Quelqu'un manifeste. Casse à nous. Je ne veux pas avoir affaire à toi. Je ne veux pas avoir affaire à toi. Moi, je suis à Paris. Je ne veux pas avoir affaire à toi. J'ai dit, tu as raison. Je te comprends. Je te comprends. Mais tu vas lâcher cette âme-là parce que je suis le berger de Dieu établi sur sa vie. Tu vas la lâcher. Madate capratas kataparoto. Il y a une dimension de formation de Christ où les esprits méchants savent. Il y a des choses, je ne peux pas dire en public. Ils savent. Quand ils entendent ton nom, ils disent, ne mentionne pas son nom. Dès que tu mentionnes son nom, il est tellement chargé de Christ que dès que tu mentionnes son nom, c'est l'esprit de Jésus qui apparaît. Il y a une jeune fille qui est du Cameroun, à Pointe-Noire. Elle était dans la sorcellerie. Elle était initiée à la sorcellerie. Je ne sais pas qui c'est. On en a parlé, je ne la connais pas. Elle a avoué, elle a dit, dans le royaume des eaux où j'étais, on m'avait dit, ne croise jamais ce monsieur. Ne croise jamais ce monsieur. Jamais. Ne lui dis jamais bonjour, jamais. Jamais. Je dis, waouh, en bon. Manto praatisato ke parata. On n'est pas en train de parler de la religion, mon frère, ma soeur. On est en train de parler de la visibilité de Christ. C'est la dimension où tu vas opérer. Ah, je n'ai pas entendu ton amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur la... Est-ce qu'il y a quelqu'un sur la mezzanine? Ah! Ah! Oh. Tu vas le manifester. Oh, ça va chauffer pour la sorcellerie. Ça va chauffer pour les œuvres du diable. Les serpents, les scorpions vont dégager de ta vie. Les maladies vont rôtir. Les kystes vont brûler. Les fibromes vont brûler. Les tumeurs vont brûler. Les grosseurs vont brûler. Les masses vont disparaître. Je n'aime pas la qualité de ton amen. Parce que la parole a besoin d'une réponse. Christ est mentionné lorsque Dieu invisible devient visible dans un corps humain. Christ, c'est la race humaine qui héberge. Bon, je ne sais pas si je vais aller là-bas comme ça. Seigneur, aide-moi. Ok, on va avancer. Avec moi, Christ. Christ, c'est une race humaine. C'est la race que Jésus est venu inaugurer. Que Jésus, à la résurrection, est venu commencer. Voilà pourquoi on l'appelle le premier né. Le premier né de toute la création. Le premier né des morts. Colossiens chapitre 1, au verset 15. Il est l'image de Dieu invisible. Le premier né de toute la création. Car en lui, hein, on a été créé toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles, les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations. Autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Toutes choses subsistent en lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est le commencement. Le premier d'entre les morts. Vous êtes déjà en retard. Aussi, je te trace là. Vous êtes déjà en retard. Way behind. Vous êtes loin derrière. C'est toi là que tu dis amen. Oh, Christ. Ok. Donc, Christ, c'est le type d'être humain auquel Dieu pensait quand il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Oui, mais il a créé Adam. Oui. Mais la Bible dit, Adam était à l'heure. Ok, tu ne sais pas rire. Ok, pardon. Aïe. Christ, c'est l'être humain véritable. Parce que l'être humain qu'on est aujourd'hui là, c'est pas ça.
Quoi, quelqu'un qui est vaincu par le péché, vaincu par les démons, vaincu par la masturbation, vaincu par la pornographie, vaincu par l'échec, il entend des voix, et puis les démons sont en train de malmener. Excuse-moi, aie un peu de respect de Dieu, aie un peu de respect pour Dieu. Tu penses que pour Dieu, c'est ça un être humain? Créé à son image, selon sa ressemblance? Tu plaisantes ou quoi? Non mais tu plaisantes. Tu as vu l'homme avant la création? Avant la chute, tu l'as vu à la création? Qu'est-ce que l'homme, tu te souviens de lui? Le fils de l'homme que tu prends grâce à lui, voici tu l'as créé le plus inférieur à Dieu. Tu lui as donné la domination sur toutes les œuvres de tes mains. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Ça, c'était l'homme. C'est pas ça. C'est pas la version d'aujourd'hui. Arrête ça. La nation qui est prisonnière, un esprit dit mets la main. Tu mets la main en bas. Tu commences à tourner la chose. C'est pas là. Ne fâche pas Dieu. Hein. Tu appelles ça l'homme, ça? Ça, c'est un être humain, ça? C'est pas la version de l'être humain, selon Dieu. Non. Quand Dieu a pensé l'être humain, c'est pas ce que tu es en train de voir autour de toi. C'est ni ton voisin, ni ta voisine, ni moi. Non, on n'est pas encore là-bas. C'est pas ça. Quand Dieu disait faisons l'homme à notre image. Alors, pasteur, tu te bases, tu t'appuies sur quoi? Ok, allons-y. Romains 4, verset 14. Romains 5. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Hein? Ok. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, virgule, lequel est la figure de celui qui devait venir. Ah. Ok. Comme je vois que tu ne comprends toujours pas, alors je vais te donner avec la version parole vivante. Alors maintenant, on va aller dans parole vivante. Merci. On va aller dans parole vivante. La preuve, la parole vivante dit, c'est que la mort, parenthèse, cinq sanctions normales du péché, a régné depuis d'Adam jusqu'à Moïse, même sur les hommes qui n'avaient pas transgressé un ordre précis comme Adam. Adam préfigurait, était une ombre de celui qui devait venir, le Christ. Autrement dit, Dieu, tu as le sens de l'humour. Si tu lis bien les Écritures, tu verras que Dieu n'envoie pas directement le véritable. Il envoie toujours un leurre à Satan. Et puis Satan, tu vois, non, c'est comme un chien, tu lui envoies la nourriture. Et puis il va. Et puis il ne sait pas que derrière, quand il a tout de dévorer tout là, tu as maintenant sorti le véritable. Dieu est un Dieu qui envoie. Lis l'Ancien Testament. La Bible dit, regarde, avant d'établir la nouvelle alliance, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a créé une ancienne alliance. Et la Bible dit de l'ancienne alliance que c'était une ombre des choses à venir. Dieu envoie toujours l'ombre avant le véritable. Et le diable se déchaîne sur l'ombre. Il pense, je l'ai eu, j'ai eu Adam. J'ai dit, mais en fait, tu n'as pas compris. Le véritable homme, c'est pas Adam, c'est Christ. Oh! Je dois t'entendre dire Amen. Je dois entendre ton Amen. Oh, je dois entendre ton Amen. Sur la mes amis, je dois entendre ton Amen. Parce que la grâce de manifester Christ dépend de ton Amen. Hey. Dieu commence toujours par l'ombre. C'est pour ça qu'avant de recevoir le véritable, tu vas toujours expérimenter les ombres. C'est-à-dire la préfiguration. Généralement, avant de rencontrer la bonne sœur, le bon frère, il y a toujours quelqu'un que Satan va t'envoyer pour t'embrouiller. Si tu n'as pas d'abord été embrouillé par quelqu'un, méfie-toi avec le premier choix. Aïe. C'est pas écrit dans les Écritures, hein, mais je sens que c'est prophétique. Méfie-toi, ne t'empresse pas de dire, pasteur, c'est lui. Doucement. Parce que avant le véritable, il y a souvent des déserts. Il y a souvent de la souffrance. Il y a souvent de la confusion. Parce que le véritable sort toujours après la résurrection. Aïe. Ah, katabarra katoparratea. Enamakotosia. Est-ce que je peux te parler? Avant le véritable ministère, je vais te dire une chose. Tant que tu n'as pas connu la souffrance, le ministère que tu exerces, quand tu dis je suis dans mon ministère, ce n'est pas encore ça. Tu es comblé, tu es satisfait. Pasteur, ça marche, les affaires marchent. Tant que tu n'as pas connu la galère, ce n'est pas encore ça. Tu ne vas jamais te donner le véritable tant que tu n'as pas d'abord connu lui.
l'humiliation, l'abaissement, les déserts, la mort, la plantation. On t'écrase, on t'humilie, on te piétine. Le problème de notre génération, c'est qu'elle veut arriver directement. Oh, pasteur, le Seigneur m'a promis un grand appel. Oui, il a dit que je vais être chantresse de l'Éternel. Prophétesse, prophète, tout ce que tu veux, je serai très connu dans le monde. Mais il ne t'a pas montré, monsieur Joseph, l'itinéraire. Il ne t'a pas montré le puits. Il ne t'a pas montré Potiphar. Il ne t'a pas montré la prison. Toi, tu vois la primature. Mais avant la primature, je te promets une chose. Tu vas connaître le puits. Et quand tu seras dans le puits, une voix te demandera. Une voix te dira, est-ce que du puits tu vois la prémature? Tu vas où? Si l'erreur de Adam, il n'est pas passé par le processus. Il est devenu adulte en un instant. Jésus n'est pas devenu adulte en un instant. Jésus croissait en stature, en sagesse et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Il a respecté la loi du processus. Les gens qui veulent soudainement apparaître au sommet, et tu dis, ça y est, pasteur, ça marche. Oh, mon frère, ma soeur, tu n'as pas encore vu le précipice qui t'attend. Parce que si ça vient de Dieu, il va d'abord te précipiter. Et puis maintenant, il va te ressusciter. C'est juste que dans la résurrection, là, je vais te dire une chose. La fierté, l'ego, l'arrogance, l'orgueil, la suffisance, la confiance en soi vont totalement disparaître. Et il n'y aura plus que Christ. Je veux Christ pleinement formé. Il n'y aura plus de toi. Je veux Christ pleinement formé en moi. Tu sais, les gens arrivent à la cité, et puis ils disent, pasteur, comment tu fais pour rester humble avec ça? Je leur dis, il y a eu une coupe de souffrance que tu ne connais pas. Et cette coupe de souffrance a tué le moi. Dieu ne pouvait pas enfanter la cité sans nous avoir tués. S'il avait fait ça, ta prière ne peut pas te préserver de l'orgueil. Ton jeûne ne peut pas te préserver de l'orgueil. C'est ta plantation. Quand tu es humilié, tu pleures. Jusqu'au jour où Dieu te dit, c'est la coupe qu'il fallait boire. Et tu es tellement brisé de tous les côtés. Il a vidé ton cœur de toute velléité, d'arrogance, d'orgueil. Ta prière ne fait pas ça. C'est la mort. Mais la mort, c'est ça qui te qualifie pour la puissance de la résurrection. C'est la mort qui fait de toi une autorité. Ce n'est pas le jeûne et la prière. C'est la mort. C'est la mort quand il te ramène. C'est le même corps. Mais le résident n'est plus la même dimension. Maintenant, ta voix a du poids. Et quand je dis, don't fight me, I will kill you, je ne plaisante pas. Je ne plaisante pas. Il y a une stature à l'intérieur. Ne la combats pas. I will kill you. Non, tu vas te tuer tout seul. Je sais de quoi je parle. Ce n'est pas une récitation. Il y a un prix. Il y a une mort. Oh, bala, isha, ibatakato, ibalakato, sabana. Aïe, 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 aïe. Ne t'inquiète pas, Joseph. Ne t'inquiète pas, Josephette. Josephette, comment on dit, c'est quoi le féminin de Joseph? Hein? Josepha, je ne sais pas. Josepha? Joséphine, voilà, Joséphine. Oh, Joséphine, c'est vieux. Bon, non, on est ensemble. Du moment Joséphine, on est ensemble. Il n'y a pas de combat, il n'y a pas d'agression, il n'y a pas d'attaque. Tous les prénoms sont bons. Pourvu qu'ils permettent d'héberger le Christ. Acclame-le. Acclame le Christ. Acclame-le. Oh, mais je n'aime pas ta manière d'acclamer. Oh, est-ce qu'il y a un peuple rempli de gratitude? Le Christ, c'est un type d'être humain. Dieu a créé deux races humaines. Il a créé la race Adam, le premier Adam, et puis le dernier Adam. Le Christ. Et il y a deux différences. Et puis je vais atterrir avec ça. Je vais te parler de la première seulement. Il y a deux différences fondamentales. On est deux êtres humains. Il y a deux races humaines qui sont aujourd'hui sur Terre.
et qui marche dans les rues. Alléluia. Soyons sérieux. Allez. Oh. Allez. Non, pardon, excusez-moi. 1 Corinthiens 15, versets 45 à 48. Maintenant, je vais te le lire avec la version parole vivante. Parce qu'elle est un peu plus explicite. Elle est plus explicite sur certains mots. Si tu es là, je veux que tu dises amen. Écoute-moi bien, parce que là, on est juste en train de commencer. Toi, non, hein? Dis amen, non. Non, ne te fâche pas, attache ta ceinture. On va quelque part. Verset 45. C'est bien ce que nous lisons dans l'Écriture. Le premier homme, Adam, fut créé âme vivante. Le dernier Adam, le Christ, il n'y a que deux races. Donc pour Dieu, je répète encore, il n'y a pas de race noire, il n'y a pas de race blanche. C'est une invention des hommes pour faire de la ségrégation raciale. Pour Dieu, il n'y a pas de race, de couleur, ce n'est pas des races. Non, c'est des variétés. Parce que Dieu aime la variété. Parce que de la même manière que toi, écoute, hein, tous les corps ont été, l'esprit vient de Dieu, les corps ont été formés de la poussière. De la même poussière sortent des fleurs rouges, sortent des fleurs roses, sortent des fleurs blanches, tout sort de la terre. De la même terre sortent des peaux blanches, sortent des peaux marrons, sortent des peaux roses, sortent des peaux rouges. C'est la diversité, car Dieu est un Dieu de variété et il n'aime pas. Oh! Mais dis amen! Ne laisse personne te mentir en te disant non, toi tu es noir, noir n'est blanc. La race supérieure, il n'y a pas de race supérieure, mon frère. La race supérieure, c'est la race de Christ. Elle est super. La race de Christ est supérieure. Pourquoi? Parce que 1, elle est supérieure aux anges. 2, elle est supérieure aux démons. 3, elle est supérieure à Adam. Elle est supérieure. Ah, faut pas laisser les mensonges du système t'embrouiller, mon frère. Non, non, non. Ne te laisse pas définir par ta couleur de peau. Ce qui compte, c'est pas la peau, c'est pas la couleur de la fleur, c'est le résident. Ta valeur vient du résident, pas du récipient. Le résident. Et ce résident, quand c'est Christ, arrête de demander un autographe à un Adam. Quand toi, tu es un Christ. Tu ne me verras jamais demander un autographe à Lionel Messi. Jamais! Moi, jamais! 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 Moi, je vais demander un autographe à un chef d'État. Jamais! Oh, monsieur le chef d'État, est-ce que vous pouvez me signer? Jamais! C'est moi qui lui dirais, monsieur, vous voulez un autographe de ma part? Pourquoi? Je suis Christ. Je suis supérieur. Celui qui est dans moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Oh, capable de te parler. Pardon, amen! Ah, non, ferme ma. Il y a une dimension de connaissance de la vérité. Quand tu rentres dedans, frère, tu te laisses plus impressionner par les gens. Les démons se prosternent devant moi. Ah, il y a quatre paroles. Oh mon Dieu. Ils connaissent mon nom. Non, je vais leur dire, hé, hey, esprit mauvais, vous connaissez mon nom. Je ne m'appelle pas Ivan Castanou. Ça, ils s'en foutent. D'esprit à esprit. On communique d'esprit à esprit. You know me, tu vois. C'est pour ça qu'un jour, tu te rappelles, non, je raconte l'anecdote là, où j'ai chassé. Il y a un frère qui chassait un démon. Et puis il dit à l'esprit. Il dit à l'esprit, sort. Il pensait que c'était une question de débit vocal. Donc il criait dans l'oreille. C'était un ancien frère de Hala Wakba qui s'était converti à Jésus. Et puis qui avait tellement fait de maraboutage qu'il était possédé par des esprits mauvais. Alors le frère là, il arrive et puis il crie à son oreille, sors, sors, sors. Je vous raconte l'histoire déjà, mais il y en a qui ne la connaissent pas. Et puis à un moment donné, le démoniaque regarde le frère. D'abord, un, ils sont fous. Et puis de l'oreille, il fait. Hein? Genre, tu es un chien, quoi. Ils sont foutés de lui. Hein? Donc moi j'ai vu ça, j'ai dit au frère, sors de la pièce. Je crois que là on a un problème. L'esprit ne te reconnaît pas. Sors de la pièce. Et puis maintenant, moi, je viens. Le prochain sur la ligne. Je dis au nom de Jésus, sors. Il n'a pas osé me faire. Mais quand je dis au nom de Jésus, sors. Il dit, je ne sors pas. Je dis, Jésus est là.
Et puis il regarde dans la pièce. Il regarde, il fait autour. Et puis il dit, je ne vois pas de Jésus. Et c'est là maintenant que l'Esprit me dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors là, je lui dis, fixe-moi dans les yeux. Et puis il a rigolé. Ah! Je dis, ah ah! Scanning confirmé. Scanning confirmé. Identité confirmée. Identification confirmée. C'est le Christ. C'est le Christ. C'est le Christ. Ah. C'est ça qu'on va dire de toi. Oh, non, amen. Acclame Jésus. Acclame le Christ. Mon grand frère Jésus a inauguré une nouvelle race d'hommes. Tiens. On est encore au verset 45, non, c'est ça, non? Ok. Le premier homme, Adam, fut créé âme vivante. Le dernier Adam, le Christ, est un esprit créateur de vie. Il faut enlever le mot esprit avec grand E, c'est petit E. Là, c'est petit E. Maintenant, je vais d'abord, avant de continuer plus loin, je vais te lire le verset 45 avec d'autres traductions. Version seconde 21. Il dit, toujours le même texte, avec maintenant seconde 21. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint un être vivant. Mais en grec, c'est le mot psouké. Ça veut dire âme. Dis amen. Il devient, en vérité, c'est une âme vivante. Mais, ce qui m'intéresse, c'est la deuxième phrase. Le dernier Adam est un esprit qui communique la vie. Il est en train de te donner maintenant la différence entre les deux créations. Il y a la race de Adam et la race de Christ. Il te dit, la race de Adam, c'est une âme qui a la vie de Dieu. Dis amen. Mais la race de Christ, c'est un esprit qui communique la vie. Ok, on y va. Maintenant, on lit le même texte, version du semeur. Version du semeur, on dit, le premier homme, Adam, devint un être vivant doué de la vie naturelle. Le dernier Adam, lui, est un être qui, animé par l'esprit, communique la vie. Bon, maintenant, on continue et puis on va finir avec ça. Verset 46. Remarquez l'ordre de succession chronologique. Verset 46. Merci. On continue, verset 46, avec une version parole vivante. Remarquez l'ordre de succession chronologique. Ce n'est pas le spirituel qui vient en premier lieu. C'est le psychique qui fait partie de l'ordre naturel. L'esprit ne vient qu'ensuite. Le premier homme, tiré de la poussière de la terre, était par conséquent terrestre. Le second homme est d'origine céleste. Dis amen. Or, tous les enfants de la terre portent la ressemblance de celui qui fut le premier tiré de la poussière du sol. Tous sont taillés sur le modèle du premier Adam. Tous sont donc des terrestres. Tous sont donc terrestres. De même aussi, les enfants du ciel portent en eux les caractères de l'homme venu du ciel. Et comme nous avons reproduit les traits de l'homme terrestre, nous reproduirons aussi l'image du Christ céleste. Ah, oh, dis amen, amen, amen. Aïe, 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 aïe. Est-ce que sur la mezzanine ça va? Est-ce que sur la mezzanine ça va? Est-ce que sur Internet, hein, la famille connectée, ça va? Mais dites amen, vous aussi qui êtes en présentiel, miséricorde. Pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Que dit ce texte? Les deux sont des êtres humains. Mais il t'explique une subtilité terrible. Le premier homme. Alors maintenant, tu vas savoir à la dimension de qui tu es en train de marcher aujourd'hui. Et tu es en train d'opérer dans la dimension divine ou dans la dimension terrestre, adamique. Parce qu'on peut être Christ, on peut avoir Christ en nous sans le vivre. Et le but de cet enseignement, c'est le faire sortir. Amen. Il nous explique que le premier homme tiré de la terre, le premier homme, pardon, fut créé âme vivante. C'est un esprit, mais il est âme vivante. Le mot vie, c'est la vie éternelle. Il avait la vie
mais il était contrôlé par son âme. Adam était contrôlé. Pas étonnant qu'il soit tombé dans le péché. Il était contrôlé par son âme. Tandis que le deuxième, le dernier Adam, était contrôlé par l'esprit. Chez le premier homme, Adam, c'est l'âme, les émotions, les sentiments et les émotions qui déterminaient ses mouvements et ses actions. C'est ça que signifie âme vivante. Ça veut dire que l'âme était le centre, le moteur de ses décisions. Il avait la vie. Mais en parenthèse, le premier Adam avait la vie de Dieu. Le deuxième Adam, non seulement il a la vie, mais c'est un esprit, mais il communique la vie. Ça veut dire que le premier Adam ne pouvait pas imposer les mains aux malades et puis que les malades étaient guéris. Le dernier Adam, quand il dit c'est un esprit qui communique la vie, ça veut dire que c'est un générateur. Il a la vie en lui, mais il est capable, en touchant quelqu'un, de lui communiquer la vie qui est en lui. Est-ce qu'il peut la donner? Quand tu auras accepté ton identité de véritable Christ, tu n'auras aucune peur à imposer les mains à un malade et tu t'attendras à ce qu'il soit guéri. Pourquoi? Parce que tu es le Christ. Et je m'attends à sa guérison. Je m'attends à sa délivrance. Pourquoi? Je transporte une vie. Même si je donne mon sang, transfusion sanguine, je crois que mon sang va mener la vie à quelqu'un. Parce que mon sang n'est pas un sang naturel. Il y a du sang divin à l'intérieur par la Sainte-Seine. Et je crois qu'en donnant mon sang à quelqu'un, je vais lui communiquer la vie éternelle. Il va faire transfusion sanguine et puis son foie est guéri. Comment ça? Il a reçu un sang divin dans son corps. Mais il te sera fait selon ta foi, mon frère, ma soeur. Je dis, il te sera fait selon ta foi. Oh, acclame-le, acclame Jésus, acclame. Ah. Que nous révèle ce texte dans la différence entre le premier et le dernier Adam? Le premier Adam était une âme. La dimension qui prévalait en lui, c'était l'âme. Les émotions, les sentiments. Pour agir, il avait besoin de sentir les choses. Ça, c'est l'âme. Il fallait que ses émotions soient empruntées. Il avait besoin que ses émotions, ça c'est le premier Adam, il a besoin que ses émotions soient stimulées avant de faire quelque chose. Il a besoin de sentir, de ressentir avant de poser un acte. Est-ce que quelqu'un me suit? Il faut d'abord la stimulation de l'âme, des émotions. Ça, c'est le premier Adam. Si tu veux qu'il fasse une offrande sacrificielle, 1000 euros, 10 000 euros, tu ne peux pas arriver comme ça devant un Adam, lui dire, j'ai besoin que 1000 personnes donnent 1000 euros. Hein? Comment ça? 1000 personnes donnent 1000 euros. C'est bon. Ah non. Là, qu'est-ce qui va se passer? Personne ne se lève. Pourquoi? Il faut stimuler les émotions d'abord. Je veux Christ, je veux Christ. Je veux Christ pleine. Il faut d'abord bercer ses émotions. Il faut que je sente. Parce qu'avant que j'agisse, si je ne le sens pas, j'ai du mal. Tu vois, moi, quand je ne sens pas quelque chose, je dois sentir d'abord. Alors, mais vas-y. Oh, il faut me stimuler. Donc il faut que le pasteur fasse entrer. Oh, je déclare. Oh, je veux Christ, je veux Christ. Plein formé en moi. Je veux Christ plein. Bon, je sens que même le pianiste, tu vois, il est en train d'opérer comme Adam. Voilà, lui aussi il a besoin pour jouer. Miséricorde de miséricorde. Qui me délivrerait de ce. Oh Seigneur. Il est avec moi, aïe. Hein? Donc tu vois, le Adam, il a besoin de ressentir pour agir. Ça c'est l'être adamique. Pour pardonner, tu dis pardonne. Il faut d'abord que je sente que je peux pardonner. Maintenant, quand son âme, la tempête qui s'est levée, c'est seulement quand son âme se calme. Maintenant, je suis prêt à me calmer. Ça c'est Adam. Est-ce que quelqu'un me suit? Ouais, ça c'est Adam. Les Adams ont besoin de sentir. Un Adam ne peut pas se réjouir comme ça. Il faut d'abord que je sente la joie de mon âme avant de commencer à être joyeux. Si je ne le sens pas à l'intérieur, je ne peux pas l'être. Adam. Pour pardonner, je dois ressentir. Pour aimer,
Tu veux d'abord le sentir. Donc, frère, parle un peu. T'as de beaux yeux, tu sais. Continue encore. My baby, I love you. Oh, continue encore. Je veux le sentir. Dis encore des mots que je serai guéri. Dis encore des mots. Mais vas-y, maestro pianiste, vas-y, accompagne-nous. Acclamez pour eux, acclamez pour eux. On ne sait pas, il a voyagé, on ne sait pas où il est parti, il a voyagé. Oh, miséricorde. J'ai besoin de sentir des émotions. J'ai besoin de sentir. J'ai besoin de sentir de l'amour avant de le. J'ai besoin de sentir de, avant de dire oui. Je ne peux pas dire oui si je ne sens rien. Adam. Adam. Hein? Je ne sens rien pour le frère. Adam. Le premier homme, Adam, est contrôlé par ses émotions. Ses choix sont dictés par ce qu'il ressent. C'est une âme vivante. Le dernier Adam, c'est un esprit qui communique la vie. Il n'a pas besoin de sentir pour agir. Il a besoin d'entendre Dieu pour agir. Ça, c'est Christ. Oh, kete barakato pareta. Oh, je n'attends pas ton. Je sens que quelqu'un est fâché. Ton voisin est fâché. Il est embarrassé. Oh, mais quelqu'un acclame Jésus. Oh. Le dernier Adam n'a pas besoin de sentir la joie pour être joyeux. Mais alors, comment il fait? Quand il se sent triste, il n'a pas besoin de se sentir joyeux. Quand il se sent triste, il rend grâce. Et la joie vient ensuite. Il fabrique la joie. Il crée la joie. Oh! Il n'attend pas de ressentir. Il décide d'être joyeux. Le dernier Adam n'attend pas de sentir que je pardonne. Le dernier Adam décide de pardonner et après je sens que je vais bien. Le premier Adam attend de se sentir bien d'abord avant de pardonner. Le deuxième Adam, le dernier Adam, pardonne, il décide d'abord, il demande pardon à Dieu, là où il y avait la colère, et quand il demande pardon à Dieu, il fait le protocole divin, soudainement, il se sent bien. Oh là là, on a perdu ton voisin, on a perdu ta voisine. On a perdu ton voisin, on a perdu ta voisine, on a perdu. Oh, bouge ton voisin, bouge ta voisine. Dis-lui non, 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 on parle de toi là, on est en train de te parler. On est en train de te parler. On est en train de te parler. Le premier Adam, pour faire une offrande, il a besoin qu'on le challenge, qu'on donne une parole à propos, qu'on donne une parole prophétique, qu'on donne une parole. Si tu donnes, il va se passer ça, il va se passer ça. Ah, à force d'avoir entendu les paroles, maintenant qu'il va donner. Ok, j'accepte. Ah, le dernier Adam, dès qu'on lui dit qu'il va donner 10 000 euros, 5 000 euros, s'il sait qu'il a les moyens de donner, il n'a pas besoin d'être exhorté. Parce qu'il a juste besoin d'être convaincu que ça vient de Dieu. Et que c'est l'œuvre de Dieu, c'est la maison de Dieu, c'est une semence qui vient de Dieu. Il n'a pas besoin de piano, de guitare, de synthé, de 10 minutes d'exhortation. Dès qu'on dit qui va donner, il y a des gens. Je t'annonce qu'il y a une génération de gens. Ah, il y a une catégorie de gens, je t'annonce, leur manifestation. Dès qu'on dit, nous on a besoin de gens, on veut acheter un bâtiment à tel endroit, on a besoin juste de parce qu'il y a des gens que Dieu va rendre riches, parce que tu comprends, c'est évident, ça va venir. Hein. Bon, alors, on a besoin de 1000 personnes qui donnent 5000 euros, c'est bon, on a besoin de 5 millions. On n'a pas besoin de faire, on va arrêter de faire des appels, on va arrêter ça, on va arrêter ça. Dieu va se trouver un peuple qui va rendre prospère, et leur prospérité va servir à bénir le royaume de Dieu. Et ils n'auront pas besoin d'exhortation, ils n'auront pas besoin de... Non, 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 non. Dès qu'on dit « besoin est là », il dit « je suis là, yes sir, à vos ordres. Mon portefeuille est là pour servir les intérêts du royaume des cieux. Oh, acclame Jésus, acclame-le, acclame-le. » Aïe, aïe, aïe. Le dernier Adam n'a pas besoin de sentir qu'il aime. Pour aimer. Il décide d'aimer. Et après, il va constater qu'il aime. Le premier Adam se marie sur la base des émotions. Le dernier Adam se marie sur la base de la révélation. Si Dieu me dit, c'est cette personne-là, je vais y aller. Je n'ai pas besoin de sentir. C'est en apprenant à la connaître. Et quand je vais découvrir Christ en elle, tu ne peux pas haïr Christ. Quand je vais voir la douceur, la bonté, l'humilité. Adam regarde d'abord le corps. Pasteur, en fonction du corps et de l'accent. Oh.
Maman, il vous a dit, Sanogo, la plupart, quand on s'est marié, et ma femme et moi, et maman a bien pasteur Yves, et pasteur Lili et pasteur Mohamed, n'avaient pas la forme qu'ils ont aujourd'hui. Toi, tu vois la forme d'aujourd'hui. Mais ce n'était pas comme ça qu'ils étaient à 20 ans. Attendez, il y en a parmi vous, je veux un homme comme pasteur Yvan version aujourd'hui. Je veux maman Maud version d'aujourd'hui. Est-ce que tu es cette version pour aujourd'hui? Pardon. Oh pardon, pardon, je ne voulais pas te vexer. Pardon, pardon. Le Christ, le dernier Adam, fonctionne sur la parole. They don't need to fear. Je ne pardonne pas parce que je sens. Non, je pardonne parce que c'est ma nature. Je suis Christ. Christ pardonne. Ta vie va changer. Acclame-le, 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 acclame-le. Non, mais lève-toi et acclame-le, mais lève-toi et acclame-le, acclame-le, acclame-le. Oh. Aïe, 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 aïe. Je veux, Marate Keto Parakato Sepere Kapara. Je veux. Oh, dis-le-lui, dis-le-lui, dis-le-lui. Tu n'es pas en train de chanter. Tu es en train de dire au Père, ah, il faut que le Christ, je veux Christ pleinement formé. J'avais, ce n'est pas une chanson pour moi, non. C'est une supplication, c'est un cri intérieur à ma Père. Oh, je veux manifester ma dimension divine. Je veux, oh, il faut qu'on voit l'homme de Galilée à travers ma vie. Ce vase de terre va te révéler. Je veux, Parada. Il s'attaque par un. Oh, tout ce que tu es, totalement manifesté à travers le vase de terre que je suis, afin qu'il soit certifié après l'authentification visuelle. Identification confirmée, identité confirmée. Ah, ma Père, emmène-nous à cette dimension. La parole que tu annonces révèle le chantier, le projet, l'édifice que tu es en train de construire. Je veux te dire merci à ma Père. Le Christ, oh, Parakata Zabadea, sera formé. On le verra dans notre époque, on le verra dans notre génération. On ne parlera plus de chrétien, on parlera de Christ formé. Je ne veux plus qu'on m'appelle chrétien, je veux qu'on m'appelle le Christ. C'est la volonté de Dieu. Il y en a assez d'avoir des chrétiens qui n'ont rien compris. Nous voulons Christ formé, 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 formé. Je veux, ah. Oh, bien-aimé, élève la voix, supplie-le, supplie-le, supplie-le. Voilà pourquoi on a parlé de la soif. Tu ne peux pas y arriver sans le désirer ardemment. Je veux. Oh, Parama, Ishata Kepara. Oh, je veux Dieu, la dimension divine. Dieu dans un être humain, pas caché, mais visible. C'est ça, c'est un être humain qu'on appelle Christ. Christ est toujours associé à la dimension divine, à la dimension de Dieu dans un être humain. Je veux, oh, ra, alléluia, la macha, et tes cabas. Je veux, et ta parane, ma toque para, ah, aïa, aïa, rama, je veux, oh, maladia, parade, que ton para. Je veux, à ma Père, nous sommes des dizaines de milliers à désirer manifester notre dimension divine, quitter la stature adamique, entrer dans la stature christique, le Fils de Dieu révélé, la postérité du lion de la tribu de Juda, les petits frères de Jésus, les petites sœurs de Jésus, pour lesquels il est écrit que la création attend avec un ardent désir la manifestation, la révélation des fils. La création attend un autre type d'être humain sur la terre. Abba Père, accorde-nous la grâce de manifester. Montre-nous, enseigne-nous, semaine après semaine, mois après mois. Envoie ta parole jusqu'à ce que le Christ
soit pleinement formé, formé, formé. La divinité a combiné avec l'humanité. Oh, la dimension divine sera visible. La dimension qui maudit les figuiers et il le sèche. La dimension qui chasse les démons et ils sortent. Qui impose les mains aux malades et ils sont guéris. Qui appelle les choses et ils viennent. La dimension que les poissons reconnaissent. Les poissons des finances reconnaissent. Quand le Christ apparaît, il est dans la barque. Les poissons disent, et authentification confirmée. Je vois le Christ, je m'appelle richesse. J'arrive à cette personne parce qu'elle veut faire le bien afin de partager. Elle veut vivre l'abondance afin de partager l'abondance et pas de la garder pour soi. C'est la dimension de Adam, ça. Non, nous sommes la dimension de Christ. Ah, ma père, je veux. Je veux Christ formé en moi. Je veux Christ formé en moi. Oh, je veux Christ. Je veux Paranetata. Oh, élève là pendant 30 secondes, élève là-bas pendant 30 secondes. Dis tes mots. Parle-lui. Exprime-lui ta demande. Dis-lui que tu le supplies, qu'il soit formé. Pas la débauche, pas l'impureté, pas la colère, pas l'amertume, pas la jalousie, pas l'aigreur, pas la manipulation, pas le mensonge, mais Christ formé. Pas la pauvreté, mais Christ. Je demande Christ. Aratabare kato parana mandosia. Et je veux Christ. Je veux Christ. Oh, moi je veux Christ à la paix. En vérité, je ne veux pas la richesse, je veux Christ. Je ne veux pas le succès, je veux Christ. Je ne veux pas la prospérité, je veux Christ. Parce qu'en lui se trouvent cachés tous les trésors de la science, de la sagesse et de la connaissance. En vérité, tout est en lui. Même ce que tu ne demandes pas est déjà à l'intérieur de lui. Quand tu demandes de lui, tu as résumé toutes les demandes. Parce que Christ est tout en tout. Je veux. Oh, Father, we want Christ. Je veux Christ. Père, merci pour cette parole. Père, nous te rendons grâce. We need you. Nous te remercions pour la parole d'aujourd'hui. Nous n'avons toujours pas très bien compris le mystère de Christ. Illumine dès lors les yeux de nos cœurs. Endommage notre ignorance. Délivre-nous de la destruction par le manque de connaissance. Cette version des êtres humains que l'on voit là, ça c'est pas ça. C'est pas ça que tu avais dit. C'était pas ta pensée quand tu as dit faisant l'homme, non. Tu ne parlais pas d'une mauviette. D'une mauviette qui est malmenée par les démons et le péché, non. C'est pas ça ce dont tu parlais. Quand tu parlais de créant l'homme à notre image, alors emmène-nous à la dimension de ta pensée, de ta volonté, sur la terre comme au ciel. Le plan que tu as formé, rends-le visible à travers ces vases que nous sommes. Des Christ visibles sur terre. Abba Père, emmène-nous, nous t'implorons. Et dès aujourd'hui, incline la tête. Je fais cet appel à toi qui n'as même pas donné encore ta vie à Jésus. Où tu avais abandonné la main de Jésus. Et tu veux Christ. C'est la dimension de la divinité enfuie dans l'humanité. C'est la dimension où Jésus a marché. Et il a dit, ce que je fais, vous ferez des œuvres plus grandes. C'est la dimension christique. La dimension divine dans un corps humain. Oh, c'est possible. Les apôtres l'ont manifesté.
C'est pour ça qu'on les appelait des imitateurs de Jésus. C'est pour ça qu'on leur donnait le nom chrétien. Sauf que c'est un nom qui était banalisé, galvaudé. Il n'a plus de sens aujourd'hui. Parce que tout le monde l'utilise de manière religieuse. Non. Dieu ne veut pas faire de toi un chrétien. Tu veux faire de toi un Christ visible sur la terre. Et c'est la grâce qui est relâchée sur toi. Et tu vas le manifester. Nous allons, par sa grâce, le manifester. On le verra. Oh, et on aura envie de lui. On le verra. Les nations accourront lorsqu'elles le verront former. Elles vont affluer lorsqu'elles verront son amour, sa bonté, son humilité, sa compassion, sa douceur, son endurance, sa patience, sa sagesse, sa puissance, son autorité. Quand ils verront la combinaison de son intelligence, ils diront non, Dieu sur terre, ça c'est Christ. Oh, Abba Père, emmène-nous là, là où tu nous désires. C'est ta volonté. Mais je fais l'appel à toi. Qui veut toi aussi te mettre sur la ligne de départ pour expérimenter cette dimension? Elle est possible sur la terre. Et il t'appelle maintenant. Il a dit, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Là où tu es, donne ta vie à Jésus. Comment faire, pasteur Ivan? C'est simple. Tu vas répéter après moi cette prière. Rapidement, dis avec moi, Seigneur Jésus, pardonne mes péchés. Viens dans ma vie. Lave-moi. Change-moi. Récris mon histoire. Et fais de moi un Christ visible dans ma génération. Au nom de Jésus. Amen. Où que tu sois, tu as fait cette prière. Viens devant rapidement. Prends tes affaires rapidement pendant qu'on est en train d'acclamer le Seigneur pour toi. Ma Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Si c'est toi, viens aujourd'hui, maintenant, rapidement. Il t'appelle. Tu as fait cette prière avec un cœur sincère. Prends tes affaires. Cours devant. Aujourd'hui pour toi est le jour du salut. Aujourd'hui pour toi est le jour de délivrance. Les caméras du ciel sont sur toi. Alors nous t'attendons. Une seule personne qui répond à l'appel, c'est la joie du ciel. Une seule personne qui dit oui à Jésus, le ciel est dans la joie à cause de toi. Alors ICC, je ne te demande pas de chatouiller tes mains. Je te demande d'acclamer Jésus parce qu'il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Alors fais du bruit, fais du bruit. Acclame bien. ICC, acclame bien. Je n'ai pas dit de me regarder, j'ai dit d'acclamer. C'est une manière de les encourager. J'ai dit d'acclamer. Je veux Christ. Ah, et la tabara. Je veux Christ. Oh, ICC, make some noise. Le ciel est dans la joie. Alors, acclamons Jésus parce que le Père est content pour les enfants qui reviennent à la maison. Il y a les perdus qui sont retrouvés, des morts qui reviennent à la vie. Père, nous nous réjouissons avec toi. Au nom de Jésus le Christ. Père, tendons la main vers eux. Seigneur, mets ta main sur eux. Tu as fait cette prière avec un cœur sincère. Crois que Jésus a entendu et il est rentré dans ta vie. Maintenant, ce qu'on va faire avec toi, c'est on va t'accueillir et puis on va t'expliquer c'est quoi la puissance de cette prière et qu'est-ce qu'il y a après. Jésus-Christ n'est pas une religion. Jésus n'est pas venu pour créer une religion, il est venu pour créer une relation avec Dieu. Pas une religion, une relation. Et tu as besoin de lui. Et nous, on est là comme une famille spirituelle, juste pour te prendre par la main et t'aider à connaître Jésus, à marcher avec lui. On a la certitude parce qu'on a l'expérience. En moins de 3 mois, ta vie sera transformée. Si tu nous fais confiance et que tu nous laisses te prendre par la main et t'exposer aux enseignements qui ont transformé la vie de dizaines de milliers de personnes, ça sera également ton expérience. Que la main du Seigneur soit sur toi. À partir d'aujourd'hui, je déclare et je décrète que la main du Seigneur qui est sur nous vient sur ta vie. Tes combats seront nos combats. Ce qui voulait te détruire sera détruit. La main qui n'était pas du Seigneur qui était sur toi, qu'elle soit brisée au nom de Jésus.
tout esprit de mort qui avait été envoyé contre toi pour te faucher, qu'il soit réprimé au nom de Jésus. Que le sang de Jésus parle en ta faveur et que la protection surnaturelle de Dieu vienne sur toi. Nous déclarons que tu ne repartiras pas en arrière parce que la passion de Christ, le zèle, l'amour de Dieu, à partir de maintenant, va te presser le cœur. Tu avanceras et tu iras de gloire en gloire au nom de Jésus. Amen. Fais mieux que ça, fais mieux que ça, fais mieux que ça, fais mieux que ça. Merci pour eux, merci pour eux. Fais mieux que ça, mieux que ça, mieux que ça, mieux que ça. Waouh. Bien-aimé, moi j'ai pris cette prière en 1995. Elle a l'air simple, mais elle est puissante. Elle est très très puissante. Et je vais vous demander juste d'accepter qu'on vous tende la main. On veut vous amener à le connaître comme on a appris à le connaître. Jésus n'est pas une religion, vous allez voir. Il s'intéresse à tous les aspects de vos vies. Et par la grâce de Dieu, vos vies vont briller. Votre lumière va briller. Et vous serez le plus grand sujet de dépression de l'enfer et du diable. Au nom de Jésus. Je vais vous demander de bien vouloir suivre notre équipe de conseillers. Ils sont charmants, sympathiques, souriants, bienveillants. Et ils sont heureux de vous accueillir. Donc ça se passe sur votre droite, à ma gauche. Si vous accueillez pas bien, dites-moi. Ils vont bien vous accueillir forcément. Donc sur ma gauche, à votre droite, on va vous accueillir par nos conseillers. Ils sont charmants, ils vous attendent. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Alors allez sur la droite, merci. Dirigez-vous sur la droite, sur la droite, sur la droite. Tant qu'ils ne sont pas partis, on n'arrête pas d'acclamer. On n'arrête pas d'acclamer. On n'arrête pas d'acclamer. On n'arrête pas d'acclamer. Mon frère, ma soeur, si Dieu t'a fait du bien, alors il mérite un pouce, il mérite un pouce. Connecté. Et quand tu vas partir d'ici, ouvre le lien du culte et toi aussi mets un pouce. Le pouce est une manière d'inviter les autres également à aller écouter le message. Manifeste la dimension divine. Bien-aimé, une nouvelle version de toi est en train d'arriver. On l'appelle Christ formé. Ah, je pensais que tu aurais dit Amen encore. L'abondance de Amen ne nuit pas, mon frère, ma soeur. Waouh! Waouh! Thank you, Lord. Bless you. Venez vous asseoir dans sa présence maintenant. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte de célébration et d'action de grâce. Et c'est notre bonne habitude en Pax Saint Chrétien de souhaiter la bienvenue à ceux qui nous rendent visite pour la première fois. Donc, si c'est votre première fois à Impact Saint Chrétien, en particulier à la cité royale, Royal City, alors s'il vous plaît, veuillez vous lever afin qu'on puisse vous accueillir comme on aime le faire à Impact Saint Chrétien. Vous pouvez vous tenir debout. Vous êtes important pour Dieu. Alors vous êtes important pour nous et on est content de vous avoir ce matin. Voilà. Et ICC est en train d'acclamer Dieu pour vous. Amen. Et sur Internet également, c'est pareil. Vous êtes pour la première fois, vous connectez le mot salut. Vous envoyez le mot nouveau, plutôt nouveau, pas salut, nouveau, au numéro qui s'affiche à l'écran. Et des conseillers en ligne vont vous recevoir. Acclamons Jésus pour eux. On n'a pas fini. Acclamons Jésus. Miséricorde. Mais ICC, c'est quoi ton problème aujourd'hui là? Les 7 jours t'ont fatigué? Ah oui, ok. Tu as faim. Tu as faim. Miséricorde, tu as faim. Oh là là. Mais ça fait 10 jours que tu jeûnes. Maintenant tu es habitué à crucifier ton ventre là quand même. Alors vous êtes les bienvenus à Pax Saint Chrétien. Voilà. Si vous n'avez pas d'église, cette église est la vôtre à partir d'aujourd'hui. Si vous avez une église, nous la saluons au nom de Jésus. Amen. Alors on va se lever, ICC, et on va accueillir nos invités. Mais là, cette fois-ci, je veux que tu sois vraiment fervent. Parce que depuis le début du culte, là, je ne te sens pas. Tu comprends? Là, je suis fatigué, c'est le ventre qui est en train de faire. Crucifie-moi ce ventre. Christ. Merci. ICC, are you ready? On y va. Qu'est-ce qu'on dit à nos invités? ICC, même sa noix. Où ça? Qu'est-ce qu'on dit à nos invités? ICC, même sa noix. Un, deux, trois, on y va. Nous te bénissons. Nous savons nos frères et sœurs venus dans ta maison. 1, 2, 3, 4. Béni, 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 béni,
béni, béni. Bénis-nous, venu pour te célébrer, t'élever. Bénis-nous, Seigneur, tu vois ton église connectée, assemblée de toutes parts pour élever ton Saint-Nom. Béni, béni, bénis-nous, béni, béni, bénis-nous, bénis-nous, à gauche, à droite, devant, derrière. Bénis-nous, bénis-nous. Est-ce que Dieu t'a fait du bien ce matin? Avant que je fasse la prière finale, Joël, tu veux dire un mot? Improviser? 2 minutes? Allez, on accueille le pasteur Joël. C'est une bénédiction pour le corps de Christ. Il a sorti beaucoup de littérature, beaucoup de livres. Alors il s'essaie à pression de tels hommes, à pression, à pression, à pression. Si Dieu t'a fait du bien pendant que tu es connecté en ligne, même si tu as l'écran de télé, va sur ton téléphone, mets le pouce, mais reste sur ton écran de télévision. Tu dois mettre le pouce à Dieu. Pendant qu'on acclame, tu dois mettre le pouce. Et si tu as mis le pouce, maintenant mets des fleurs, mets des fleurs, mets des cœurs plutôt, mets des cœurs, mets des cœurs, mets des cœurs, mets des cœurs, mets des cœurs. Ah, la régie n'a pas donné le micro. Miséricorde. Merci pasteur Ivan. Merci apôtre Ivan. C'est un honneur pour moi d'être parmi vous ce matin. Je connais votre pasteur depuis de nombreuses années. C'est une bénédiction. Et avant la prédication, je pensais, un verset m'est venu. C'est quand Jésus dit, je suis le cep et vous êtes mes sarments. Et ceux qui portent du fruit, le fruit vient naturellement. Et on reconnaît l'arbre à ses fruits. Amen. Et on reconnaît l'arbre à ses fruits. Un homme de Dieu qui a prêché ce matin sur le Christ et sur ce que le Christ produit. Et on voit les fruits du Christ en lui. Et le dernier verset auquel je pensais, c'est l'homme bon tire des bonnes choses de son bon trésor. Il y a un bon trésor, il y a un homme bon qui produit des fruits, et le fruit de tout ça, c'est Christ, et c'est le royaume de Dieu qui est proclamé. Ce sont des vies qui sont transformées, ce sont des pays qui vont être transformés par le message de Christ. Merci beaucoup. Oh, mais acclame Jésus pour Joël, mais acclame Jésus. Je te dis que quand tu sais bénir Dieu pour les autres, on bénira Dieu pour toi. Quand tu gardes tes mains comme ça, on gardera les mains comme ça. Wow, Seigneur, nous te remercions. We thank you, Lord, we thank you. Alors nous voulons prier pour la fin de ce moment, qui n'est pas la fin de sa présence. Alors vous qui êtes là pour la première fois, si vous avez du temps, nous avons une collation qui vous est réservée. On vous demande de ne pas partir tout de suite, on a un bon moment de collation, une belle collation et puis un bon moment de communion fraternelle. Just for you, juste pour vous. Alors vous pouvez déjà prendre vos affaires, vous mettre dans les rangées. Et il y a le staff avec les drapeaux qui sont là dans chaque rangée. Je ne vois pas ici là, cette rangée là, ils sont où? Qui sont là pour vous orienter vers la salle d'accueil réservée pour vous. Amen. Il n'y en a pas dans cette rangée encore. On va incliner la tête et vraiment remercier Dieu. Et je te demande encore, mets des cœurs, mets des pouces, mets des commentaires pour inviter le plus grand nombre à aller réécouter ce culte. Je sais que toi, tu vas le faire parce qu'il a été démontré que la parole que tu as entendue aujourd'hui, si tu ne la réécoutes pas, rien que le lendemain, à mon avis, ce n'est même pas le lendemain, c'est quelques jours après, il ne reste plus que 66% de ce que tu as entendu. Et 2 semaines plus tard, tu ne retiens plus que 2% de ce que tu as entendu. Voilà pourquoi on s'expose, on réécoute en permanence. Ce qu'on a entendu, on réécoute. Amen. Seigneur, nous voulons te dire merci. Notre cœur te désire toi. Parce qu'en toi sont cachés tous les trésors de la science, de la sagesse, de la connaissance. En toi, il y a tout. Voilà pourquoi tout ce que nous désirons, c'est toi.
ayons conscience que lorsque nous te désirons et que tu apparais, ce sont tous les désirs de nos cœurs qui s'expriment et qui apparaissent. Mais surtout, c'est l'éternité qui est assurée. Merci pour ta parole. Merci pour la dynamique dans laquelle tu nous entraînes. Merci pour la parole que tu nous donnes. Merci pour l'édifice que tu construis. Merci pour les corps que tu guéris, pour les cœurs que tu restaures, les jugs que tu détruis, les fardeaux que tu ôtes, les histoires que tu réécris. Père, nous te rendons grâce. Nous te recommandons cette semaine, cette deuxième semaine de jeûne et prière de 21 jours, où tu nous fais tellement de bien. Merci pour le corridor sécurisé de santé divine, de protection, d'immunité divine, dans lequel tu nous fais opérer. Et tu permets à des multitudes encore cette semaine de rejoindre la dynamique, afin que nous soyons des dizaines de milliers à te chercher. Merci pour le réveil que tu prépares sur la planète tout entière, et nos pays seront visités. Non, tu passeras par nous pour manifester une dimension de gloire jamais vue. Nous te rendons grâce. Et nous prions que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu notre Père, et que la communion du Saint-Esprit demeure notre expérience. Maintenant et jusqu'à la fin de notre mission d'ambassadeur de Christ sur la terre. Merci. Celui qui a commencé en nous cette belle œuvre est fidèle et c'est lui qui l'achèvera. À toi la gloire, la louange et l'honneur, dès maintenant et dans toutes les générations. Dans le nom de Jésus, le Christ, nous t'avons prié, Père, avec action de grâce. Amen, 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 amen. Nous vous souhaitons une excellente semaine dans sa présence. On est là connectés dès dimanche, dès lundi, demain soir, pour la suite de nos 21 jours. Saluons-nous les uns les autres et dis à ton voisin, je vois Christ formé en toi. Dis à 5 personnes, I see Christ formed in you. Je le vois formé en toi. Que Dieu vous bénisse, excellente semaine. On est ensemble et on continue nos 21 jours.
Je ne crains point toute cette foule contre Éternel, moi. Dieu est mon Éternel, Dieu est mon bouclier. Tu es ma gloire. Tu es ma gloire. Tu me relèves. C'est toi qui guéris. Tu guéris. C'est toi qui guéris.